Adrien, l'exploit du jour pour toi aujourd'hui face au 18e mondial. Ouais, c'est sûr que sur le papier j'étais pas du tout favori, mais bon, c'est un premier tour de challenger. J'imagine bien qu'il n'était pas aussi bien préparé que sur un grand chelem sur ce genre de tournoi, même si aujourd'hui je pense qu'il était à 100%. Mais bon, je savais que j'avais un peu de place si je réalisais un super match, donc j'ai essayé de faire de mon mieux aujourd'hui, et puis c'est passé avec un petit peu de réussite. Il y a eu juste ce qu'il fallait pour que ça passe. Super match, tu fais deux breaks quand il faut, tout va dans ton sens. Ouais, tout s'est relativement bien goupillé, j'ai très bien servi quand il fallait. J'ai eu quelques jeux à la fin du premier set où je passais plus une première, où ça devenait super difficile, mais bon, j'ai réussi à faire le nécessaire pour tenir mon service. Et puis, j'ai sur balle 7 par exemple, c'était un jeu assez chaud, j'arrive à faire un ace. Donc même s'il n'y avait pas le pourcentage, j'ai eu les bons services au bon moment et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Elle est où au panthéon de tes victoires personnelles? On a regardé un peu les archives, tu avais battu Gilles Simon 12e mondial, passé le 18e, c'est la plus belle ou pas? Non, j'ai battu deux fois Gilles Simon, j'ai battu une fois Del Potro sur des tournois, sur des ATP 250, donc même si là c'est une très belle victoire, j'estime pas que ce soit la plus belle en tout cas. Je pense que battre Del Potro dans un gros match au Queen, c'était largement plus dur. Donc mais ça reste une super victoire et moi je suis très satisfait de ce résultat. T'étais tombé pas bas, mais bon, pas mal de pépins de santé. Ça y est, t'as retrouvé ton rythme de croisière, tu penses que tu peux vraiment finir la saison très fort? J'espère que je vais la finir très fort. Maintenant j'ai pas d'énormes espoirs, j'ai eu tellement de galères cette année, c'était tellement difficile que là je suis déjà super content de pouvoir rejouer à 100% et donc voilà, j'essaie de prendre le maximum de plaisir. Si les résultats viennent, tant mieux, s'ils viennent pas, je me préparerai du mieux possible pour faire une grosse année 2013. Donc voilà, là je suis juste content de jouer, de re-bien jouer en tout cas depuis Roland-Garros, on va dire que j'ai plus aucun problème physique. Maintenant, après 5 mois d'arrêt, c'est pas facile de retrouver le niveau tout de suite. J'ai eu un été très difficile et on va dire que depuis l'US Open, là, il y a le niveau de jeu qui remonte crescendo. Et là, depuis une semaine et demie, j'estime avoir un niveau de jeu qui revient à peu près à celui que j'avais quand j'étais dans les 100 premiers. Prochain tour face à Roger Vasselin, tu le connais bien, c'est ton compatriote? Ouais, Edouard, on se connaît très bien. On s'entraîne régulièrement ensemble, on s'est joué 4 ou 5 fois. Pour l'instant, j'ai jamais gagné, mais on a fait souvent des matchs relativement accrochés. Donc, je pense que c'est un match où il part un petit peu favori, mais ça reste un match très ouvert pour tous les deux. Et on verra bien ce qui se passe. Aujourd'hui, il a fait un très bon match pour battre Mika. Donc, on a réalisé deux belles performances. Il y en aura un des deux pour lequel il y aura un lendemain et pour l'autre ça s'arrêtera là. Merci.